Florence, je parle des jeûnes thérapeutiques, des fruits, légumes frais, les lavements intestinaux pour notre santé globale. Si tu veux être ton propre médecin, suivez-moi, c'est parti. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait un plaisir de vous revoir ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler du concombre. Vous savez, nous mangeons les fruits et légumes frais. Des fois, il faut savoir ce qu'il contient. Le concombre que nous voyons là, ça peut vraiment faire du miracle si on fait une combinaison comme il faut. Donc, c'est un excellent diurétique que l'on connaisse, hein, facilitant aussi la circulation des urines. Donc, ce jus est vraiment très bien pour ceux qui verront, par exemple, pour quelqu'un qui va suivre cette vidéo et qui va peut-être aller mettre en action ce qu'il a entendu. Le jus de concombre contient un fort taux de silicium, de soufre, de potassium. Vous savez, même nos médicaments qu'on achète des fois, on peut traiter plusieurs maladies avec, mais il faut combiner avec d'autres. Il faut mettre plusieurs médicaments. Donc, lorsque moi j'ai dit combinaison des jus, cela veut dire que ce jus renferme beaucoup plus les éléments qui peuvent changer peut-être plusieurs exhumations dans notre vie, dans notre corps. Oui, les amis, ce jus n'est pas seulement un nettoyant. On peut aussi boire ce jus combiné à d'autres jus de fruits et légumes frais en cas de pathologie rhumatismale, de l'hypertension ou de l'hypotension artérielle. Jus aussi bénéfique, très bénéfique pour les pathologies des dents et des gencives, telles que les gingivite. Donc vraiment, ce jus, ces betteraves-là, vraiment, ça passe presque dans dans presque tous les jus que je fais, presque, parce qu'il renferme des éléments que notre corps a besoin à tout moment. Vous, les amis, même nos ongles et nos cheveux ont besoin des éléments contenus dans le jus de concombre. Il fortifie les ongles et remédie les chutes des cheveux. Le jus de concombre combiné au jus de carotte serait très très bénéfique pour les pathologies rhumatismales causées par une rétention excessive dans le corps. Plusieurs sortes d'éruptions peuvent être soulagées si l'on buvait une combinaison de jus de concombre et carotte et laitue, ou encore si l'on buvait rien que concombre et laitue. Ça dépendra de la personne, mais comme vous le savez, la combinaison change tout. Il faut pas aller au hasard, il faut toujours se rapprocher vers quelqu'un qui connaît un tout petit peu comment combiner le jus pour que ça donne vraiment une réelle résultat. Parce que des fois, l'on peut croire que en buvant le jus de concombre avec peut-être l'orange, avec non, ça ne se mélange pas comme ça, les amis. Donc, je vous dis, parce qu'en fait, vous savez bien qu'au début, j'ai fait des jus, des jus, des jus, des jus. Donc, si tu viens d'arriver là, sur cette chaîne, je t'inviterai d'aller regarder les vidéos antérieures et te familiariser si tu veux bien être ton propre médecin. Alors les amis, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et puis, vous le savez bien que d'ici 2 jours, J2, on va vraiment être ensemble pour un direct.
Le direct a vraiment pour faire le bilan de 3 semaines, parce qu'on a parlé des pathologies cardiaques, des vaisseaux sanguins, des veines, des comment prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc, les amis, je vous informe encore parce que peut-être tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore pris.